Salut tout le monde, c'est Dominique, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans la catégorie Shopify où je vais vous apprendre tout simplement à créer une nouvelle collection de produits. Alors, vous êtes sur votre page d'accueil, sur votre interface d'administration Shopify. Vous cliquez sur Product, le troisième lien. Et ensuite, vous cliquez sur Collection. Quand on dit collection, on parle de catégorie. Là, vous voyez, sur ma boutique de casquettes, j'ai créé une collection homme, j'ai créé une collection femme. Et si je veux créer une nouvelle collection, je vais en haut à droite, je clique sur Create Collection, et là on tombe sur cette interface. Première chose, c'est le titre. On va dire que je veux créer une collection chic, donc je vais l'appeler chic. Ensuite, c'est la description. C'est la description de votre catégorie. La description est importante pour le référencement naturel. Donc je vous conseille de faire une description de 2 ou 3 lignes, où vous mettez quelques mots-clés, et voilà, tout simplement, et ça va s'afficher en haut de votre site, quand vous irez voir la collection, je vais vous montrer. Donc là, on va mettre par exemple découvrir notre collection de casquettes chic pour hommes et femmes. Bénéficier d'une casquette chic de haute qualité qui rejoindra votre collection actuelle de casquettes. Ah, vous voyez, j'ai mis juste deux phrases bateau, ça peut être modifié après, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il faut mettre vraiment une ou deux lignes, voire trois, avec des mots-clés. Vous voyez, casquette chic, homme-femme, du coup, casquette homme, casquette femme, casquette chic de haute qualité, votre collection de casquettes. Voilà, vous voyez, j'ai répété le mot casquette. Alors, ensuite, les conditions. Vous pouvez soit ajouter automatiquement des produits à la collection, soit manuellement. Quand vous cliquez sur manuellement, c'est vous, quand vous allez créer votre produit, qui allez ajouter le produit à la collection. Voilà. Ensuite, quand vous cliquez sur Automatically Select Products Based on Conditions, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter automatiquement vos produits à cette collection, soit quand un produit remplit toutes les conditions qu'on va mettre en dessous, soit quelques conditions. Quand je clique sur All Conditions, par exemple, je veux que si je sélectionne dans cette liste, vous avez plusieurs choses, si je veux que le titre du produit, on va dire contient, si je mets le mot casquette, eh bien, dès que je vais créer un produit qui contient le mot casquette, eh bien, ça va s'ajouter directement à la collection. C'est automatique. Ensuite, je peux rajouter une condition. Par exemple, si je mets que voilà, le prix soit on va dire est égal ou n'est pas égal à, est plus élevé ou en dessous, on va mettre en dessous de 19,90, que je vais me dire que toutes les casquettes qui... non, c'est un mauvais exemple puisqu'on fait des casquettes chic. Si je mets et en dessus de 29,90, bah, automatiquement je vais savoir que c'est une casquette chic puisque celles qui seront en dessous de 29,90, ce sera des casquettes d'entrée de gamme. Voilà, vous cliquez sur « Save ». Et là, vous avez créé votre collection. Tout simplement. Et quand je clique sur View, je vais tomber sur mon site. Voilà, avec la description. Et là, pour l'instant, il n'y a aucun produit, puisque je n'en ai pas rajouté. Vous avez la possibilité d'ajouter une image juste ici, qui va s'afficher aussi sur la page. Mais voilà, moi j'aime bien mettre juste un titre, une description. Et votre collection est faite. Quand vous recliquez sur Collection dans votre interface d'administration, vous avez votre collection qui s'est affichée avec les conditions. Et voilà. Je vous souhaite une superbe journée, n'hésitez pas à poser vos questions et à vous abonner. A plus tard, ciao ciao.